Clap de fin pour la No Finish Line. L'événement solidaire annuel s'est achevé hier du côté de Fontvieille. Vous avez peut-être vous-même parcouru plusieurs kilomètres pour la bonne cause. Alors quels sont les chiffres à retenir de cette 23e édition? Réponse avec Sandrine Nègre et Olivier Bonello. La 23e No Finish Line s'est achevée en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles notamment Yacouba Ouattara, parrain pour la seconde année consécutive, et Michael Zézé, capitaine de l'équipe de France en relais 4x100. 10 000 participants ont permis de faire grimper le compteur. Voici le nombre de kilomètres parcourus, 251 770 kilomètres. Le premier homme, c'est à Daniele Alimonti, qui a parcouru plus de 877 kilomètres. Qui est un habitué des podiums, donc qui est italien et qui a gagné dans la catégorie homme. Après, on a Paola Concato dans la catégorie femme avec plus de 700 km. Et après, on a les trois équipes Barclays Monaco, Courir pour Céline et Special Olympics qui sont aussi des fidèles. 251 770 km parcourus, soit 251 770 euros qui seront reversés pour financer une vingtaine de projets en faveur d'enfants malades ou défavorisés. La NFL, c'est aussi une équipe de bénévoles qui ont multiplié les actions pour apporter leur contribution. C'était une très belle édition, très touchante parce qu'on a pu finalement tous se retrouver ensemble, partager des bons moments. On a quand même accueilli 10 000 participants. Donc c'est vrai que c'est le début du renouveau, on va dire, et franchement, tous les gens étaient contents, il y avait une super ambiance. Convivialité, solidarité et effort sportif seront de nouveau au rendez-vous en 2023. Les dates de la 24e No Finish Line ont d'ailleurs été dévoilées du 4 au 12 novembre.